C'est Thaïs Diarra, je suis suisse, malienne et sénégalaise. Je fais de l'afro-soul et voilà, mon dernier album s'appelle Danaya. Après être venue au Sénégal et avoir tourné pas mal avec voilà, des groupes hip-hop comme Awadi et tout ça, je suis retournée en Suisse et bah voilà, j'ai été absente pendant un bon moment du Sénégal parce qu'il fallait préparer le prochain album, donc j'ai fait pas mal de concerts en Suisse, en Europe, en Italie et j'ai tourné pas mal là-bas. Ensuite j'ai commencé à travailler sur mon dernier album qui s'appelle Danaya et donc ça a pris un peu de temps. Je voulais être bien prête pour revenir au Sénégal et vous présenter tout ce que j'ai fait là. Mon premier album s'appelle Métis. Il est sorti en 2014 et fin 2014. C'est un album qui est 100% acoustique, qui est un album qui me présente en fait en tant que métisse, en tant qu'enfant de la diaspora avec mes racines. Je parle du Mali, je parle du Sénégal. Ensuite est venu en 2015 l'album Danaya, juste après. C'est un album qui est dédié à la femme africaine. C'est un album que j'ai vraiment voulu, où j'ai vraiment voulu mettre en valeur et parler de toutes ces femmes entrepreneuses en Afrique et aussi en Occident. Pour leur confiance en Afrique et mettre vraiment en valeur toutes ces femmes ambitieuses. Ce sont des femmes qui sont partout en Afrique, mais aussi à l'étranger, comme même jusqu'aux États-Unis, en Europe. Et donc c'est un réseau qui en fait a pour but de rassembler toutes ces femmes talentueuses et ambitieuses, que ce soit dans le domaine de la photographie, de la mode, de la musique et autres, qui ont fait leur petit chemin et pour mettre chacune de nous notre projet en lumière. Donc en fait, c'est un réseau où chacune apporte ses contacts, apporte son parcours, ses expériences pour mettre en valeur voilà, la femme africaine et pour avoir aussi une image plus positive de l'Afrique. Donc je vous donne rendez-vous ce 17 février au Goethe Institut pour une grande soirée avec Music and More. Ce sera donc une soirée où je vais présenter mon album Danaya et mettre en valeur justement ce réseau avec toutes ces femmes africaines de la diaspora. Et on aura des invités, des marraines du Sénégal, du projet qui seront là aussi. Sur scène, on aura par exemple Fatime Sy. Il y aura aussi à côté une expo photo avec Sandy Esnière et Fatoumata Diabaté du Mali. On aura aussi les pâtisseries Mello. Pour faire plaisir au papy. Donc je vous attends vraiment là, c'est un projet qui nous tient à cœur, qui mettra en lumière la femme d'aujourd'hui et la femme africaine. Voilà, ce sera vraiment une soirée qui nous tient à cœur et qu'on a mis ensemble avec les marraines du projet en place pour vous ce 17 février.